Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver comme tous les matins pour la suite de notre carrière avec Alpine, placé un pilote français champion du monde avec une voiture française, cela semblait un défi fou. Après 9 GP, eh bien Pierre Gasly est fortement en tête devant Esteban Ocon, Max Verstappen, Sergio Perez, mais les cartes vont petit à petit, j'imagine, se chambouler avec la nouvelle mise à jour hein, qui est arrivée et qui va, peut-être, je dis bien peut-être, permettre aux écuries, en tout cas c'est ce qui est dit, les écuries concurrentes de progresser plus vite, et notamment Red Bull et Ferrari qui ont les moyens de progresser. On a toujours, je le pense, la deuxième voiture sur le paddock. Nouvelle mise à jour, nouvelle stratégie de pneus. Alors on a eu beaucoup de chance du côté du Canada, mais on a pu voir déjà que les softs fonctionnaient très bien en termes d'attaque pour prendre de l'avance. On va aller du côté de Silverstone avec 80% de safety car, une température de 37 degrés étouffant, des pneus qui vont à mon avis être massacrés. Hâte de voir ça, sans plus attendre, on est parti. Vote pour la nouvelle réglementation dans 3 jours et une nouvelle petite période d'attribution, je crois, bientôt en termes de développement de pièces, parce que pour l'instant, en projet en cours, nous n'avons que l'aileron. Et si on regarde le développement des pièces et les nouveaux projets, je crois que... Ah ben non, on vient d'avoir les nouvelles périodes d'attribution. On va attendre les votes pour la nouvelle réglementation pour voir si jamais on part sur des recherches ou bien si on se permet de pouvoir développer de nouvelles pièces pour être plus fort. Allez, c'est parti, Gasly, Esteban Ocon, du côté des British, let's go. Silverstone, nous voilà, comme d'habitude, hein, si c'est pas déjà fait, je te propose de t'abonner pour rejoindre la team Alpine et ne rater aucune vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Aussi, je vais prendre la team mécano et la team ingénieur avec moi pour préparer les essais libres et les Q1 et les Q2, et on se retrouve pour les Q3. Allez, à tout de suite, si t'as pas mis de pouce bleu, c'est moins d'aérodynamisme. Attention, je surveille, je note, on est team leader d'une équipe candidate au titre, on doit ne rien laisser au hasard. Allez, à tout de suite pour les Q3. Et nous voilà de retour pour les Q3 après des essais libres. Encore une fois, solide. Merci à la team mécano et ingénieur. 91-96% de confiance. En Q2, on termine 6e du côté d'Esteban Ocon, 4e du côté de Pierre Gasly. Allons voir maintenant si en Q3 ça va pas rigoler. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec, je l'espère, eh bien, hop là. Du travail et du travail bien fait, hein, je l'espère, du travail très bien fait même. Hop, je me place au milieu de mes deux pilotes. En termes de pluie, il n'y a pas de pluie de prévu. Eh bien, on va envoyer Gasly et on va envoyer Ocon. Allez, on enlève les couvertures et c'est parti. Feu. Allez, on y va. Sortez-moi tout ça, on espère pas être gêné. Alors, circuit qui est très rapide. Circuit où il y a aussi pas mal de spins, pas mal d'accidents. On se rappelle l'année dernière avec un Leclerc complètement aux fraises. Eh bien, cette année, on espère être solide avec Gasly Ocon pour l'instant. Gasly devant Esteban Ocon, pas de beaucoup. Sainz, Leclerc, Russell. Ouh là là, on n'a pas fait des bons tours. Hein. Mais alors, on avait mis aussi des vieux pneus. Eh oui, on a été malin. On s'est laissé un petit jeu de pneus voilà, tranquillou, en réserve. On n'a pas tourné avec les meilleures pneumatiques. On va attendre justement le deuxième passage. Et pour l'instant, attention, Ferrari qui ont l'air d'être de retour. Et allez, on va renvoyer les deux. C'est parti, Gasly. Et Russell qui est là juste derrière, juste devant, pardon, Esteban Ocon. Et on est parti, on espère. Une amélioration des secteurs avec des pneus... des pneus neufs pour tout le monde sur ce deuxième passage. Attention! J'ai l'impression qu'on a un jeu de pneumatiques soft en plus depuis la mage. Où la gestion des pneus est peut-être meilleure quand on simule les qualifs 1. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, il y a bien quelque chose. Faire un skipper purple le premier secteur. Attention! Les Red Bull en forme. Gasly qui améliore aussi son premier secteur. Ocon qui améliore son premier secteur. On va suivre aussi Max Verstappen. Max Verstappen qui va en finir avec le premier secteur. Purple pour Verstappen. Perez et attention, Sainz et Leclerc. Est-ce qu'il y a eu une amélioration par rapport au dernier GP peut-être des Ferrari? C'est peut-être le cas. Et attention, de notre côté, on est toujours solidement accroché en notre fauteuil de leader en classement des constructeurs. On a pris un petit peu d'avance. Justement, hein, on ne s'est pas laissé berner. On savait qu'il y avait une nouvelle réglementation, une nouvelle mage. On ne laisse rien au hasard. Leclerc qui n'améliorera pas le deuxième secteur. Et attention, la pluie qui arrive dans 2 minutes. Normalement, il pleut pas hein, du tout sur le dimanche, sur la course en tout cas. Mais voilà, sur cette fin
de qualif. Il pourrait commencer à pleuvoir et Verstappen qui purple le deuxième secteur. Ocon et Gasly sont en train de faire du mieux. Perez devant Leclerc. Gasly deuxième. Ocon qui va passer la ligne d'arrivée. Ocon septième. Je suis désolé Esteban. Mais à un moment donné, il faut pousser Verstappen. Waouh. 1.25.8. Le seul en descendre en dessous. 1.25.8. En dessous des 1.26. Verstappen, Perez. Toujours, c'est Red Bull. Toujours, c'est Red Bull très solide. Hein, très, très solide. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais est-ce qu'en course, ils vont être solides? C'est ça la véritable question. On va, comme d'habitude, partir avec eh bien, une stratégie différente. Stratégie 2 arrêts. Stratégie 1 arrêt. Stratégie 2 arrêts. Stratégie à 2 arrêts. L'abrasivité de la piste, hein, de toute façon, elle est toujours, va toujours être plus élevée en fin de GP. Medium. Hard medium. Mais des médiums, on peut pousser ou pas? Attends, mais là, moi, je reveux celle-là. Voilà, médium, en poussant, ça fait quoi? Ok, c'est plutôt pas mal et on peut pousser aussi sur les hards. C'est plutôt pas mal. C'est une belle stratégie. Et là, on a une stratégie hard, medium, soft. 2 arrêts. Je vais partir avec la stratégie 1 sur monsieur Pierre Gasly. Je vais partir sur la stratégie C avec monsieur Esteban Ocon. Je vais la modifier. Je vais mettre qu'on push. Voilà, qu'on pousse comme ça, mettre à jour. Ok. Et je vais mettre à jour aussi celle-là avec push. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Avec du push. Voilà, push. On est bon. Comme d'habitude, on se rajoute un petit tour de carbu pour être bien et pouvoir pousser sur l'essence. Et c'est ce qu'on va faire dès le début. Alors maintenant, je ne vais plus partir. Voilà. Avant, on partait fort. Hein, on partait vraiment en agressif. Là, on va tranquillement partir en. Hein, on part en agressif. On part plus en agressif et plus en ultra attaque qui est complètement. On va dire cancérigène pour les pneus, c'est clair et net. C'est parti, 3ème et 7ème place. La première grille est pour les Red Bull. C'est une journée un peu nuageuse pour la course. Putain, j'ai pas regardé, il pleut pas. Comme toujours. Il pleut pas. Medium devant. Et nous voici devant Pierre Gasly. Medium sur la première ligne. 3ème place pour le départ de cette course. Ouais. Est-ce que notre pilote saura transformer ça en victoire? Plus loin, nous avons Esteban Ocon. C'est sûr que ce n'est pas la place la plus avantageuse, mais nous savons que tout peut vite changer dans ces premiers virages. Leur travail acharné portera-t-il ses fruits? Eh bien, c'est ce qu'on va voir! La foule est impatiente et les pilotes sont prêts pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Les feux s'éteignent, c'est parti! Et c'est parti, le départ est poussif, j'ai l'impression, de la part des Red Bull. Et c'est Leclerc qui est en train de prendre le meilleur sur Gasly, à moins que Gasly arrive à tenir à l'intérieur. Gasly arrive à tenir, pour l'instant ça passe, c'est chaud avec Leclerc. Est-ce que Leclerc peut passer devant? Et c'est Leclerc qui est en train de passer devant, mais Gasly, toujours à l'intérieur, arrive à passer. C'est chaud avec les deux pilotes, toujours côte à côte, et j'ai l'impression que Gasly peut garder le meilleur. Ocon est sixième et on a pas mal poussé hein. Sur le RS, on a déjà pris quasiment 30% sur ce départ pour essayer de prendre le meilleur sur les autres pilotes. On va toujours pousser un petit peu. Beau dépassement de la part Ocon qui est dépassé Russell et qui est sixième. Et attention, le dépassement de Gasly, où il était osé celui-là. Celui-là, il était osé, mais attention, il va essayer l'intérieur. On va regarder au niveau des pneus. On a Ocon qui est en hard. C'est le seul pour l'instant qui est en hard. Et on va se mettre en déploiement pour le début avec Gasly. Gasly à l'attaque sur Perez. Et ça va passer sur Perez pour Gasly. Magnifique dépassement. Ok, that's good, very good. Ouais, that's good, very good. Hein. On va se mettre pareil en neutre. On va commencer à stopper ici. Et se mettre en agressif. On peut rester en agressif. Hein. On va garder le RS pour la suite de la course. Et Ocon, pour l'instant, qui essaie de mettre un petit peu de pression. Alors Ocon, on a dit, on peut rester en agressif sur les pneus, c'est ce qui a été vu. Allez, push. Avec ses hards, il doit rester plus longtemps en piste. Et attention avec le dépassement d'Esteban Ocon. Non, c'est loin.
Et on va en terminer donc le premier tour. On est déjà sur le deuxième tour ici. Allez, le passage est pour l'instant en rang serré. Et Bottas qui attaque Russell. Bottas qui attaque Russell derrière mais qui ne passera pas. Ouais, Bottas qui a attaqué Russell et on voit un petit peu de décalage hein, qui est en train de se faire avec Ocon qui a du mal un petit peu à suivre le rythme d'Hamilton. Mais ça va pour le moment. On va se mettre en neutre et pousser. Et Leclerc, est-ce qu'il va réussir à suivre le rythme de Perez? Ça, c'est la véritable question. Au niveau des pneus, on voit que maintenant les hards s'abîment plutôt pas mal. Plutôt pas mal ces hards. Si on est en agressif, je pense qu'on va tenir au même titre que les médiums. Est-ce que vraiment c'est la bonne stratégie? On le verra. On le verra. En tout cas, Gasly qui doit lui aussi s'arrêter deux fois. On va toujours dans l'optique de tester cette mise à jour, voir si la stratégie de Zarya est toujours aussi viable ou si on avait eu de la chance du côté du Canada avec les safety cars. Avec Gasly qui est à l'attaque justement. Gasly va falloir passer hein, très rapidement. On va regarder les intervalles. Il va falloir passer Gasly, il va falloir passer Verstappen assez rapidement. Essayer de creuser l'écart. Parce que Verstappen va s'arrêter, je le pense, une seule fois. Et Gasly est passé. Good job. Good job. Et maintenant il va falloir essayer de décaler. Mais le problème c'est qu'on est au troisième tour. Et qui dit troisième tour? You can use DRS. Voilà, dit DRS. Est-ce qu'on arriverait à pousser et à lâcher un petit peu? On va essayer de pousser un petit peu hein. Ouais, qu'on parte un peu loin avec Gasly et qu'on ait un rythme de course très élevé. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ocon toujours en train de pousser lui avec l'essence. Et est-ce que le DRS va lui permettre de rester dans le train? Pas l'impression hein. Et Russell est plutôt aussi plutôt bien. Parce que la stratégie à deux arrêts avec des hards. Ah ouais, mais nous on a le relais le plus dur, c'est le relais de hard hein. C'est le relais de hard, de toute façon le relais le plus dur. Et Gasly essaie de s'échapper. Pour l'instant à 0,6. Mais je pense qu'on a le DRS qui va s'ouvrir du côté de Verstappen Max et qui va revenir. On est en train de mettre un rythme très élevé sur le début de course. Et on a envie de pousser les pneus dans les derniers retranchements, j'ai envie de dire, pour essayer de prendre 7 secondes d'avance sur Max Verstappen avec Pierre Gasly. Ah, il doit partir loin, il doit s'échapper, il doit vraiment proposer. Mais on voit, regardez-moi ça, comme Verstappen arrive à revenir avec le DRS. Et c'est compliqué du coup, on va se remettre en agressif et pousser sur l'essence uniquement. Ça m'a l'air compliqué. Leclerc lui aussi, il arrive à tenir Perez. Et c'est Ocon hein, qui arrive, Ocon qui voit Russell derrière lui. Ah, faut qu'on reste en agressif sur les pneus, on n'aura pas le choix. Let's push. Copé là. Et pour le moment, on va laisser push, on va avancer en x2 un petit peu. Sur les premiers tours, attendre, voir un petit peu comment ça se tasse. Avec Gasly qui a énormément de mal à prendre de l'avance sur Max Verstappen. Et des pneus à 88, 92 déjà. Est-ce que le truc ce serait pas de rester en standard? Récupération. Et de pousser quand il va nous rester un petit peu d'arrêt, tu vois. C'est-à-dire là, rester comme ça. Et là, quand on arrive vraiment à attaquer, essayer de mettre le coup de massue. Parce que là, avec le DRS, je pense pas qu'on va réussir à partir loin. Donc autant garder Verstappen ici. Alors que Esteban Ocon, lui, a tout intérêt à garder le rythme avec ses hards sur les médiums et sur les softs. Peut-être une safety car hein, aussi. On l'a dit, 80% de safety car. J'ai pas vu d'ailleurs au niveau du rapport. On va regarder. L'arrêt au stand, 21 secondes. Temps classique, 19 secondes à peu près, 8 secondes. 6 safety car. Donc, safety car, effectivement, 6 safety car. On devra probablement s'arrêter. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, quand il y a une safety car, tu te sens obligé de t'arrêter tellement la différence des pneus est importante. Attention, blocage de Joe, mais il est loin, Joe. Et on recharge pas énormément hein, sur le circuit. Hein. C'est pas un circuit avec des gros virages. On voit Gasly, il est bien en récupération. Oui, Gasly est en récupération. Esteban Ocon, est-ce qu'il va arriver à revenir? Ouais, il faut qu'il tienne, hein. Vraiment, c'est compliqué. Et Gasly qui va se faire dépasser par les deux Red Bull. Oh là 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 là, on l'a dit, attention quand même. Hein. On va rester en neutre parce qu'il ne faut pas se faire laver non plus. Et effectivement, on a utilisé les pneus dès le début. Et pour l'instant, on doit faire deux arrêts de notre côté. Alors, peut-être qu'eux aussi vont faire deux arrêts. Hein. C'est pas dit qu'on fasse qu'un seul arrêt de notre côté. On va essayer de récupérer là. Allez, ne pas réaccélérer trop. Ouais, ça va être compliqué de garder le DRS là.
au dépassement. On va se mettre en neutre. Et Gasly qui redépasse et qui est derrière Verstappen. Allez mon petit. Tranquille, derrière, voilà, on est derrière. On pousse avec l'essence. Et on a Hamilton, Ocon. Allez, Ocon, tranquillou, voilà, tranquillette. Sixième tour. On va pouvoir passer en x8. On surveille bien sûr l'avancée, le DRS et l'évolution des pneus. Pour l'instant, Ocon est dans le rythme avec des pneus standards, des pneus hard qui tournent bien. Et les pneus hard qui vont forcément, au bout d'un moment, rattraper les pneus médium qui seront plus usés. Attention, secteur 2. Alpine a gagné une place. Gasly qui a dépassé Verstappen. Wow, un tête à queue. Tête à queue pour Sainz. Charge on for now. Revoyons ça. Tête à queue pour Revoyons Sainz. Ça. Sainz est au cœur de l'attention. Oh là là, ouais, il est parti. Alors, et circuit Sirenton est assez dégagé, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai que là, Sainz maintenant recule à la 9ème place. Verstappen, Gasly. Gasly qui repasse devant. Gasly qui repasse derrière, Verstappen. So we keep focusing on the pace. Et là on le voit, hein, pour l'instant on est bien en termes de pneus. On s'arrête au tour 18, il faut qu'au tour 12 on commence à se poser la question du push. Hein. Faut qu'au tour 12 on se pose la question du push. Ocon est toujours dans l'intervalle, ça se tient. Et Ocon même qui dépasse. Gasly qui a complètement rechargé son ERS. Allez, faut garder l'écart. Hein. Okay. Voilà, tu peux push. On est bien au niveau de l'essence, on est quand même en train de consommer hein, l'essence pour l'instant. Esteban Ocon. Oh là là! Il y a quelque chose qui s'est passé! Virtual safety car, Ocon vient de taper. Ocon vient de taper et vient de flinguer le RS. Aucun dégât sur la monoplace. Aucun dégât sur la monoplace, mais il y a eu quelque chose. Oh là là! Safety car, virtual safety car. Aïe, pénalité de temps 5 secondes pour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ocon qui fait un tête à queue. Ok, donc on peut voir l'Alpine. Ah, le petit contact. Le fameux tête à queue. Le petit contact, effectivement. Et il a été le contact, et du coup, c'est Hamilton qui a pris. Et ouais, c'est Hamilton qui a pris 4 secondes du coup de retard. Ah, on était bien, c'est dommage. Ah, c'est dommage, on était vraiment très bien. On va attendre, mais effectivement, la virtual safety car... Aïe. Et on est aux alentours du tour 11. Est-ce que justement, ce serait pas le moment? VSC ending. DRS has been enabled. Ok, le DRS est de nouveau activé. Et Ocon est à 3 secondes 5. Il va falloir rester longtemps en piste. Hein. Gasly Perez qui se bat. Verstappen aussi est là derrière. Et on arrive au tour 13. Red Bull a gagné une place. On arrive au tour 13 et on va recharger le RS. Et dès que le RS est assez rechargé, on va repousser. Ok, c'est bon, on va repousser. Yeah, ah oui, d'accord. On va se mettre à l'attaque. Hein. Et on commence à voir notre ERS aussi fatigué. Ferrari avance d'une place dans la course. Ok, c'est pas grave. Esteban Ocon est à 4 secondes. Il va falloir s'arrêter. On va avoir une pénalité de temps. Et c'est vrai que là, ça donne pas du tout envie de. On va essayer de faire qu'un arrêt. Hein. This is awesome work. Come on. Parce que là, avec la pénalité de 5 secondes, on va peut-être pas s'infliger non plus. Gasly qui est passé. Gasly qui est passé, qui va attaquer hein, maintenant sur les pneus. Allez, Gasly. Gasly qui dépose Leclerc. Et attention, le passage avec le DRS ici. Et c'est Verstappen qui se fait doubler par Perez. On va recharger là. Et on va attendre la ligne d'arrivée pour essayer de passer. Mais ça y est, on va pousser sur les pneus. Hein. On a tout intérêt à s'envoler un petit peu. Ou en moins du moins à gagner du temps. Parce que sinon la course va être catastrophique. Allez, on arrive dans la fenêtre des stands, il faut pousser. 62%. Et ils vont vite hein, devant. Ils vont très vite avec leur Red Bull. Hein. Allez.
On va essayer de déployer, essayer de passer ici. Allez, allez, faut deploy là. Allez, faut envoyer de l'ERS là. Voilà, avec le dépassement ici. Le DRS. Le dépassement, il va être compliqué. Le dépassement va être compliqué. Gasly sur Perez. Gasly sur Perez à l'extérieur. Et les deux Red Bull côte à côte. Les deux Red Bull côte à côte. Et nous, on va essayer d'en profiter ici. Allez, faut en profiter là. Faut essayer de dépasser. Allez, côté droit, faut y aller. Allez, Gasly. Ah, c'est dur. C'est dur pour le moment. Le double dépassement. Avec le DRS ici. Ah, yeah, ça va être compliqué avec le DRS après. Oh là 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 là. Allez. Leclerc est en train de suivre tranquillement derrière ça. Et le DRS qui s'ouvre. On n'arrive pas à dépasser. Hein. Il nous ferme très très bien la porte. Perez et Verstappen qui est devant pour le moment. Le dépassement, freinage. C'est bien fait de la part de Gasly. Et on est toujours pour l'instant avec des pneus, ça y est, hein, qui vont plonger. On est avec des pneus qui vont plonger. Alors, on en a plus beaucoup. Hein, de la part d'Alpine. Ouais, très beau tour, mais il va falloir recharger. Sainz est au stand et Ocon s'était dépassé par les deux. On va arrêter, hein, on va y aller qu'avec un relais. Hein, on va essayer de rester ici derrière et prendre la pénalité. Allez, on deploy là. Allez. Ah, l'intérieur, ça va être compliqué. On va rester derrière, on va recharger pour l'instant. Il faut qu'on vienne. Il faut qu'on attende notre moment avec le DRS et qu'on essaie de passer. Gasly n'a pas pris assez d'avance, en tout cas, pour essayer de dépasser. Et c'est Perez ici qui est en train de mettre la pression sur Gasly. Allez, faut y aller là. Avec le DRS qui va arriver. Déploiement total. Kardioff. Bottas dépasse Ocon. Ocon à la bataille. Changement de stratégie, hein, du coup. Et le dépassement avec le DRS et le RS. À l'intérieur, ça devrait filer normalement du côté de Gasly. Et c'est passé. Really well executed. Il faut pousser maintenant. Il faut pousser au maximum. On va pousser ces pneus-là, on va rester en neutre et on va essayer vraiment de se faire mal avec les pneus. Et Ocon-Bottas, c'est la bataille. Hein. Hamilton-Russell devant. Ah, la bataille est terrible. Hein. Et là, on peut avancer tranquillou. Est-ce qu'il va arriver à gagner du temps même avec le DRS? J'ai pas l'impression. Hein. Arrêt au stand optimal, mais nous, on veut continuer. Et Leclerc s'est arrêté au stand, Leclerc qui est en stratégie deux arrêts comme nous. Et Verstappen qui s'arrête au stand aussi. On essaie, hein. Ouais, mais là il va falloir deploy et s'arrêter. On met les hard. Ça a mis les hard sur Verstappen. Gasly faut pousser sur ce tour là. Et Ocon toujours avec Russell et Hamilton. Du côté de Ocon, on est bien. Faut qu'on arrive à tenir maintenant très longtemps avec ces hards qui vont. Ça va être dur. Verstappen est là. On a vu à quel point les softs étaient très forts. Donc, va falloir faire un miracle. Hein. On va s'arrêter dans un peu plus d'un kilomètre. Ça y est. On est au stand pour Pierre Gasly. Et Ocon dans le paquet. Allez, Gasly, le temps d'arrêt au stand. Il faut qu'il soit rapide. Deux secondes 624. C'est pas mal du tout. Et ça y est, ça va s'arrêter du côté d'AlphaTauri. On va mettre des médiums. Parce qu'on arrive sur le temps des stands, hein, pour Ocon. Mais Ocon, c'est fini. On se transe la strat. D'ailleurs, on va changer la stratégie d'Esteban Ocon. On l'a dit, on va la mettre à jour. On va supprimer ce relais. On va rajouter un relais en médium. Il va falloir s'arrêter longuement. Hein. Faudrait qu'ils tiennent ici, hein, les médiums, jusqu'au tour 29. Mais pour l'instant, on voit qu'on est sur une. Oui, on est bien.
Et on est reparti avec Gasly sur les hards qu'on va pousser. Et avec Gasly, on est derrière Albon, on est devant Verstappen. On est devant Verstappen. Et ça, c'est cool. Et tout drop de pace. Et ça, c'est cool. On va essayer de récupérer un petit peu. Et rester en agression. Ocon, toujours qui tient. Qui tient, qui tient. Il faudra arriver à recharger un petit peu. Just charge the pack. Copy. On va recharger un petit peu du côté d'Ocon sans perdre le DRS. Red Bull gagne une place. Ouais, c'est compliqué hein. Et Verstappen qui passe Gasly. Verstappen qui passe Gasly, on est en récupération. Verstappen qui a des pneus à 95, on a des pneus à 97. On devrait pour l'instant le tenir assez facilement, mais il doit être en agressif hein. Ouais, on va avoir 5 secondes de pénalité nous hein. Nous on va avoir 5 secondes de pénalité malheureusement quand on va devoir s'arrêter. Et Ocon pour l'instant 5ème. Hamilton, Russell, Bottas et Ocon qui se tiennent pour le moment dans, dans un train de DRS hein, tout simplement hein, dans un train de DRS. Et on va rester, on est derrière Russell. Faut tenir. Ça, ça s'arrête au stand. Ça s'arrête au stand et Gasly, regardez, là, avec Verstappen qui est derrière à 5 secondes. Oh, les intervalles se font tellement énormes. Incroyable, Gasly. Je me focalise sur Ocon, mais on est très très bien. Il va falloir s'arrêter, faut tenir encore. Faut tenir encore. On va se mettre en neutre. Et on arrive à la mi-course. Avec un Gasly qui tourne plus vite autour, hein. En 1.35, en 1.32.5 du côté de Verstappen. C'est compliqué hein, pour... ouais là c'est compliqué hein, pour... Mais on est bien du côté d'Ocon et de Gasly. Si pas d'erreur, les intervalles sont bonnes. Et on va regarder cet intervalle qui est en train de grandir. 5 secondes 7. Et c'est Gasly qui est en train de revenir sur Esteban Ocon. Esteban Ocon qui pour le moment assez hard. On va pouvoir mettre les agressifs un petit peu. On va rentrer dans la fenêtre des stands. Et on va avoir offert le DRS à Monsieur Gasly, ce qui est totalement parfait. Est-ce que nous on arriverait à tenir le DRS ici? Alors, on n'a pas poussé sur l'essence. Hein. C'est vrai qu'on peut pousser sur l'essence maintenant. Et le dépassement logiquement de Gasly, ça y est. On va demander aux deux de ne pas se gêner, ça serait quand même con. Hein. Very good luck. Et meilleur tour en piste pour Gasly. Bah forcément hein. Forcément, il a pris le DRS. On va attendre pour le moment. On va pousser sur les pneus. Just keep the pressure on. You can do this. Copy. Et on mettra les hards. Allez, allez, faut push, faut push, faut push. Ah, il a les pneus qui sont rincés. Rincés de chez rincés, mais on essaie de push, de tenir le DRS de Gasly. Avec des pneus au max. Attends-le, attends-le, attends-le un peu. Need to drop the pace. Yeah. Il a le DRS, il a le DRS. Give it more lift off, please. Il a le DRS, c'est très bien. On va attendre, on va faire encore un tour. On va faire encore un tour. Ok. Ok, c'est bon, c'est ici, on va mettre en médium. Est-ce qu'il tient? Non, c'est médium. Est-ce qu'il tient? Non, logiquement, oui, hein. Logiquement oui, mais pas en attaque. Pas clairement en attaque hein. Là on va y aller en agressif. Ok, on va être en neutre ici. Et l'arrêt d'Esteban Ocon. Donc il va popper. Esteban Ocon toujours là. Ça y est, l'arrêt d'Ocon. Allez, on espère un arrêt rapide. Il va devoir purger ses 5 secondes de pénalité. Ça c'est sûr. Et on en voit là derrière, il y a la Ferrari. Et Leclerc derrière, suivi par Verstappen. Au niveau des pneus, ça donne quoi d'ailleurs? 67, 64, 65. Il doit prendre parce qu'en même temps, c'est vrai que nous, on va se réarrêter. Hein. Il prend les 5 secondes, la purge, il purge la pénalité, on la voit là. Ça y est, les pneus sont changés. 10 secondes, 767. C'est dur, hein. C'est dur cette pénalité de 5 secondes parce qu'elle va, elle va faire très très mal. 39 secondes 6 au stand. Aïe aïe aïe, pauvre Esteban Ocon
qui va maintenant pouvoir rester, je pense, en agressif. Hein. On va regarder en agressif ce que ça donnerait. Bon, c'est dur. Faut que ça soit entre agressif et... On va rester en standard. Hein. On va rester en standard. On a 4 secondes 6 d'un Sainz qui a... Bah, malheureusement, qui a spin. Ça a 4 secondes 6 de quelqu'un qui a spin. Après, on a des médiums tout neufs. À nous de les tenir. Du côté de Gasly, on est en train de pousser toujours. 8 secondes 8, 8 secondes 9 même sur Leclerc. Il faut qu'on reprenne un peu d'avance. On doit s'arrêter aux alentours du tour 37. On va bientôt rentrer dans la fenêtre des stands. Et on va pouvoir commencer à push. Allez, on va arriver dans la fenêtre des stands. On va push. On va push alors qu'Ocon revient fort sur Sainz au rythme. Incroyable, hein. Incroyable Ocon. Quel pilote. Et au niveau de l'essence, on est toujours bien. Et nouveau meilleur tour pour Esteban Ocon. Avec ses médiums, 1.29.7. Et ça tourne en 1.32 du côté de Gasly. Ce qui est très très bien. Mais Ocon qui n'a pas réussi à passer devant Sainz. Il va falloir remonter. Hein. Quand même, faut se dire que là... les médiums vont tenir. Hein. Un PA s'est bloqué. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une safety car? Accident de plusieurs voitures. Pas de virtuel safety car. Pas de victoire, pas de safety car pour l'instant. Alors, regardons ça. Voilà Schumacher. Ouais, Schumacher. On a une Williams, c'est une Aston. Oh, non. Trois voitures impliquées quand même. Hein. Trois voitures impliquées. Mais pas pour nous. Pas pour nous. 33,7 kg, 34,9 kg pour l'instant, on est bien. Et on voit les écarts, les intervalles avec 11 secondes, mais ils iront pas au bout avec leur Ardin. Ils vont s'arrêter eux aussi. Il manque peut-être une gestion d'attaque dans les pneus de la part de l'IA encore un petit peu. Mais là, on est en train de taper dedans, nous. Hein. On est en train, c'est clairement, de taper dedans. On est à 10 secondes 8, l'écart qui se stabilise en seconde 2. Ça bouge pas trop. Alpine a gagné une place. Et Ocon qui dépasse enfin Sainz. Ouais, au niveau de l'essence, on est bien. On est à 10 secondes. Et on va devoir remettre des médiums. Ouais, mais des médiums en attaque. Ou sinon, je tiens, j'attends la safety. Et parce que là, tout le monde va se réarrêter. On est d'accord. 62, 63, 75, 72, 76. 63, ils vont être obligés de se réarrêter. Ils pourront pas tenir. Si on tient ici, fais voir un petit peu si on met des softs à la place de ça. Si on veut attaquer, il faut s'arrêter autour. Ouais, c'est bon, on est bien là. On peut mettre des softs et attaquer. On va mettre à jour la stratégie. Et on va juste attendre. Hein. On va juste attendre, on est bien. Je peux même rester en attaque sur les pneus. On va tranquillement se mettre comme ça. Et on va voir en seconde. Là, ça va ralentir un petit peu les temps. Leclerc, Verstappen toujours derrière Gasly et Ocon. Ocon qui revient ou pas? Ocon qui... Non, on ne revient pas sur Bottas. Hein. Ocon qui ne revient pas sur Bottas. Je crois qu'il y a eu un blocage. Compliqué, hein, compliqué. On va vivre les derniers tours. Allez, on va vivre comme d'habitude. Vous savez quoi? On va prendre une nouvelle... Dès qu'on est à 11... Oh! Le tête à queue pour Gasly! On va pouvoir revoir ça. Le tête à queue pour Gasly. Oh là là! Les pneus étaient usés, 37%, mais je pensais pas. Aïe, aïe, aïe. Push et on s'arrête. Hein. On push. Push et on s'arrête. Ok. Et attention, ça peut tout changer là parce que ils vont aller au bout. Hein. Box, box. Et Ocon, Ocon, il est bien ou pas? Ocon, il est bien sur ses pneus. On peut même peut-être un peu en agressif. Let's push. Let's push un petit peu, let's push un petit peu. Et c'est Gasly. Heureusement, pas de casse moteur, mais pas de casse non plus sur la monoplace. Et on n'a pas trop fracassé les pneus, mais oui, effectivement, on aurait dû s'arrêter un petit peu avant. Mais on va avoir des softs maintenant qui vont tenir juste pour 12 tours. Donc on va pouvoir pousser très fort sur les softs. Mais l'arrêt de 20 secondes, c'est un arrêt derrière Esteban Ocon. Hein. Il va falloir push à fond.
Il va falloir pousser à fond. Une safety car serait la bienvenue. Keep up the liftoff. Ouais. Et Ocon qui est en train de revenir. Hein. Une seconde deux sur Bottas. On va déployer un petit peu pour revenir un peu plus fort, un peu plus vite. Et Ocon est en train de faire le travail sur, sur Bottas. Allez, 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 allez. En tout cas, les cartes sont vraiment redistribuées. Hein. Les cartes sont vraiment redistribuées avec cette, cette mise à jour et les pneus. Les choix de pneumatiques, les safety cars vont être très très intéressantes. Ça y est, on a le DRS. On va se remettre en note et on va revenir très fort. Gasly dans la voie des stands. Gasly qui va se faire dépasser, ça c'est sûr. Ça s'arrêtera pas du côté de Leclerc qui est en train de faire une masterclass et de Verstappen. Je doute qu'il s'arrête. Hein. Allez, les intervalles. Il va falloir pousser très fort. Hein. Allez, l'arrêt rapide. Ok, 2 secondes 626, c'est bien. Esteban Ocon qui passe hein, devant, qui passe devant et qui a Bottas et Russell devant lui. Et Gasly est loin. Oh, Gasly est loin. Non mais Gasly peut pousser là sur les pneus, on est d'accord. Parce que si on push hard, si on push hard c'est bon. Si on push hard on tire les pneus. Il a 5 secondes 6 d'Ocon. On va pousser sur l'essence. Ah, il va falloir faire une remontada là. Ah, il va falloir faire une remontada, Pierrot, parce que là, il est loin. Il y a tout le monde qui est loin. On va voir les pneus soft. À quel point les pneus soft en s'arrêtant 10 tours avant. Logiquement, on a dit 2 secondes au tour. Il est à 12 secondes du leader. Ça doit le faire. Ça doit le faire. Ça doit le faire sur les vieux hard. Ça doit le faire sur les vieux hard. Ce qui voudrait dire que 2 arrêts. Les deux arrêts sont très intéressants. Les deux arrêts sont très intéressants. On va voir. Regardez là les oh là là les l'écart, l'écart est en train de fondre. L'écart est en train de fondre. Bon, à part sur cette partie-là, mais deuxième secteur, il est déjà en train de le purple. Oh là 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 là, et Ocon, Ocon qui passe Bottas. Magnifique avec ses médiums. Ah oui, des médiums aussi hein, du côté de Ocon et des médiums, mais quand on voit les hards de Verstappen et de Leclerc, ils ne vont plus avancer. Ils ne vont plus avancer. Non, non, non. Beau dépassement de la part d'Alpine. Il faudrait qu'on arrive à dépasser là aussi. Hein. On va se mettre en déploiement. On va essayer de passer. Yeah. On va essayer de passer assez rapidement. Et notamment sur cette zone-là de DRS sur Russell. Ça devrait pas faire de pli. Ah, c'est pas par là de passer. C'est pas par là qu'il fallait passer, malheureusement. Ah, c'est pas par là qu'il fallait passer. C'est pas grave, il y aura une autre zone. Il y aura une autre zone. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura la zone après. Il faudrait doubler là. Il faudrait doubler. Parce qu'on perd un peu de temps hein, derrière cette, cette Mercedes. On va autoriser le déploiement là pour la secteur sinueux. Et pourquoi pas se le déposer maintenant. Allez, 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 allez. Restez bien collés. Et dépasser Russell. Et derrière il y aura Hamilton au train. Verstappen on l'a dit bah, le problème c'est que là Perez il est sur un nuage avec ses pneus à 62%. Leclerc et Verstappen ne vont plus avancer. Ils ne vont plus avancer. Le DRS est activé. Mais on n'arrive pas à doubler cette on n'arrive pas à la doubler hein. On n'arrive pas à la doubler. Allez 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 allez, allez. Aïe, c'est dur hein. C'est dur c'est dur. À la réaccélération peut-être ici. Et on est revenu déjà sur un retardataire aussi. Allez le dépassage. Allez dépassement là. Ici, ici, il faut y aller là. That was a very good lap. Oh là mais Gasly la vitesse. Oh okay. Ah bah avec laquelle il est en train de revenir. On n'arrive pas à dépasser hein. Et les pneus comment Russell? 64. On devrait pourtant le dépasser hein. Secteur 2, drapeau jaune. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. On dirait un tête à queue. Magnussen. À l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, la réaccélération. Allez, allez, allez. Allez, ça passe, tasse-le. Voilà, c'est bien joué. Et on va rester en standard. Ok, on a plus de RS. Hein, par contre, on n'a plus de RS, c'est vide. Et Gasly, il est derrière. Oh! Gasly est déjà derrière. A gagné une place. Gasly est déjà derrière Bottas.
We need a little bit more lift off if you can please. We need a little bit more. Ah, il faut qu'il passe, hein. Par contre, il va falloir qu'il passe. Hein. Copé. Ah ouais, mais regardez ça, regardez la conduite de Gasly et à quel point il va vite. Déploy, hein. Oh non, il s'est fait stopper un peu par... Aïe, 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 ouais, bah... Drapeaux bleus sont bons maintenant, mais effectivement, bah là, on a eu un petit souci. Hein. Allez, faut essayer de réattaquer ici. On devrait en faire qu'une bouchée, logiquement. Ah, c'est plus dur de remonter, hein. C'est plus dur de remonter qu'au Canada. Il y a moins de secteurs francs pour pouvoir passer. Allez, Esteban Ocon est juste devant en 5ème place. Gasly 8ème. Perez Leclerc. Et pour l'instant, ça tourne en combien? On va regarder un petit peu les temps autour. Mais 1.30 et on a tourné en 1.29 ici. Allez, 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 pousse Gasly, pousse. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Va falloir essayer de doubler encore. Hein. Very good job, Pierre. Et pour l'instant, ouais, ouais, le truc c'est que là c'est compliqué. Gasly est derrière. Gasly est derrière, il va rester 7 tours quand on aura passé le drapeau à damier. Est-ce qu'ils vont remonter? Gasly, il faut déjà passer Russell. Et Ocon, lui, bah, il a plus de RS, il a plus rien. Il a plus rien, faudrait récupérer d'ailleurs. Ouais, charge on, et on va se remettre en agressif ici. Mais là il y a le secteur avec Gasly. Oh Gasly, la vitesse de Gasly qui m'a même passé Esteban. Oh là 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 là, Gasly on fire. Oh là 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 là. Oh yo yo, la vitesse de Gasly. J'ai hâte de voir le temps autour, hein, parce que là aussi il va être incroyable. Yeah. Avec ses softs, il est en train de voler sur la piste. On a la batterie qui est à plat. 1:28, 3, 2 secondes de retard. Et on est à 4 secondes du leader. C'est beau, hein, l'arrêt qui fait beaucoup de bien. Ocon qui arrive à s'en sortir, il a eu 5 secondes de pénalité, c'est dommage. Ça va, il a remis à 35, on va pouvoir repartir. Ici, on va récupérer un petit peu avec le DRS, sur... ouais, regardez ça, le DRS sur Hamilton. Et les pneus soft qui sont en train de détruire littéralement les pneus hard. Et on a 3 secondes maintenant, 3 secondes de Verstappen et de Leclerc avec leurs pneus à 44%. Leurs pneus à 44%, c'est dur. Mais nous, on va terminer avec des pneus aussi durs. On va se remettre un petit peu en agressif. Et Gasly qui dépasse Hamilton, 2 arrêts. 2 secondes 9. Allez, Ocon, Ocon c'est dur. Hein. Ocon c'est dur. Les pneus en agressif, on va y aller en standard, hein, je pense, hein, parce que les pneus, on pourrait revenir sur Leclerc et Verstappen, hein, au rythme. Hein. Gasly qui doit récupérer 4 secondes 6, 4 secondes, 2 secondes 3, pardon, 2 secondes 3. Allez, 2 secondes 3 et 4 secondes, oui, 4 secondes pour Ocon, 4 secondes sur Verstappen et Leclerc. Gasly est en train de retrouver le podium devant lui de la course avec Perez, Leclerc et Verstappen qui sont pour l'instant en train de tenir miraculeusement avec des pneus à 42% du côté des hard et nous on est en train de les rattraper. Et attention, secteur 2, il y a un drapeau jaune et on doit se mettre en équilibre parce qu'on n'a plus trop d'essence. Qui a fait une erreur? Yellow. Ok, tête un peu pour Joe, c'est pas très grave. Joe Daruvala toujours dans le dur. Attends, tranquillement revenir. Ouais, on va revenir. 1 seconde 4, Hamilton, Ocon, Russell. Ok, on est là. Attention, le dépassement! Le dépassement d'Ocon. Ouais, remarque, on peut rester derrière. Allez, Ocon. Allez, Ocon. Ah, Ocon qui a quand même fait une énorme erreur. Hein. On peut le dire. Elle était pas belle. Hein. On va rester en agressif. Hein. On va rester en agressif et nous va falloir faire attention, hein, avec l'essence. On est à moins 0,1. Faudrait pas non plus qu'on fasse une Renault et qu'on arrive sans essence. Alors on va faire un tour tranquille. On est en train de refroidir les pneus. Hein. On n'a pas envie non plus que les pneus soient hors de contrôle avec les températures. Et Ocon est bien derrière. Voilà, avec le DRS, nickel. Et Gasly, 1 seconde 5. Hein. Il a du mal, hein, à revenir quand il n'y a pas le... Mais bon, on est en train de recharger pour les fumer au dernier moment. Donc là, l'essence me fait un petit peu peur. Il va nous manquer 100 grammes
pour terminer la course. On est à 1 seconde 1 maintenant. Et il reste 5 tours. 5 tours pour finir la course. Et Hamilton qui est juste derrière. Alors il a des pneus hard. 63, 40, 40, 53. Là le petit souci c'est si on arrive à lâcher ça. Il en est revenu. On est revenu. L'essence devrait logiquement remonter puisqu'on va être dans l'aspiration avec le DRS maintenant. On n'a pas eu le DRS. On n'a pas eu le DRS. Par contre, Ocon là sur Russell. Ah, Ocon, ça va se battre avec Russell. On n'ira pas plus loin. Keep an eye on the fuel, please. Ah oui, d'accord. Le fuel. Yeah, est... On est à moins 0,2 là. Non, moins 0,1. C'est bon. Attention, Hamilton. 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 Il va falloir se remettre en neutre. Charge off. Et on va repasser en agressif. Fume-moi tout ça, putain! Et par contre, ça me fait peur, ça. Ok. Une seconde, deux. Allez, agressif. Et Hamilton qui est en train de rester derrière. Voilà, là, ça devrait être bon. Mais il va avoir le DRS. Il a le DRS. Il a le DRS. Et Ocon là aussi. Et Hamilton qui ne passera pas Gasly. Il faut revenir. On a toujours un petit peu chaud en termes de, d'essence. Allez, 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 allez. On va déployer un petit peu, on va essayer de revenir, voilà, avec le DRS. Ok, on est revenu. 4 tours, 4 tours, et les pneus sont bien, on est revenu dans la course. Allez, Gasly, allez, Gasly. Voilà, on y est, on y est, on y est. On est dans ce qu'on veut voir. On est dans ce qu'on veut voir. Et nous, va falloir être agressif encore et déployer à un moment donné et passer. Allez, allez, allez. À l'intérieur, à l'intérieur. Gasly, Gasly, Verstappen, la bataille. Voilà, regardez aussi ici. Et ça commence à être chaud de ce côté-là. Ok, Gasly est passé sur Verstappen. Dépassement de la part le dépassement ici ou pas? Compliqué, compliqué. Aïe, 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 aïe. On va rester en neutre et on va rester en agressif jusqu'au bout. Le problème là, c'est que nos pneus sont en train de chuter. Gasly est derrière. Allez, allez, là, le DRS qui est lancé. Le DRS qui est lancé maintenant et Leclerc qui passe. Pérez, est-ce qu'on peut passer aussi Pérez? Ouh, compliqué. Compliqué, compliqué. Le dépassement de Verstappen! Sur le côté, non, ça va être dur pour lui. Ça va être dur pour lui. On est à moins 0,1 pour le moment. Je m'en soucie pas. Ok, good job, thank you. Allez, 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 Ocon, Ocon toujours derrière. Ocon toujours derrière. 3 more laps, 3 more laps. Tours, 3 tours. 3 tours, on a pas mal de DRS. 3 tours, on a pas mal de DRS. Gasly, va falloir y aller. On va y aller ici. On va essayer de passer là. Attends, il a plus de pneus. 49-36 pour Leclerc. Sur cette zone de DRS. Allez, c'est parti, le DRS. Il faut essayer de passer. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ouh, l'écart de Pérez. Gasly. Pérez. Olé, c'est magnifique. Magnifique. Et on déploye, on va essayer de partir loin. Ocon derrière Russell. Et on va surveiller avec Gasly qui a un petit peu d'avance. Good job. Ah, good job, good job, good job. Moins 0,0, on est pile sur la ligne de crête. Plus 0, moins 0. On y est là. Déploie, déploie tes ailes, déploie tes ailes. Avec le DRS pour Pérez et Leclerc. Pérez est juste derrière, il va se décaler à l'intérieur. Pérez va se décaler à l'intérieur. Oh là là là, ça passera pas pour Pérez. Ça ne passera pas pour Pérez. Et on est toujours sur la ligne de crête à moins 0,0. C'est dans le juste. Et il vient de passer Ocon. Il vient de passer Ocon. Il va rester 2 tours. On va tout donner. On va tout donner. Alpine a gagné une place. Du côté de Gasly. Du côté de Gasly, on est en train de lâcher. On est en train de lâcher Pérez. Les pneus sont morts du côté de Leclerc et Verstappen. Ils en peuvent plus leurs pneus. Attention, on est en moins 0,1 là quand même. Non, non, on est en moins 0,0. Ça va, on est sur la ligne. On va conserver un petit peu quand même. On va rester en agressif, on a une seconde. Il n'a plus le DRS. On va l'avoir, nous. Faut pousser, conserve, 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 conserve.
Ok, moins 0-0, tout va bien. Tout va bien. On a assez pour finir. Voilà, on l'entend le lift-off. Hein. Voilà, c'est bon, on peut se remettre en équilibré. Et repartir en agressif et pousser. Pérez, on va se mettre en neutre. Ouf, c'est chaud, il reste encore un tour et demi. Il reste un tour et demi. Et Pérez, Pérez est là, Pérez est juste derrière. Quelques encablures. Et pour l'instant, le travail est fort. Hein. Et Ocon, il est en train de pousser. Ocon, il est en train de pousser pour essayer de revenir sur Hamilton, Verstappen, Leclerc avec ses pneus médium complètement souillés aussi. Et le DRS est là, le DRS est là. Et ouais, ça nous fait du bien. Le DRS était là. Réserve de carburant en bas. Conserve. Conserve, mais reste en agressif quand même. Hein. Il faut repasser. À plus 0, à moins 0 là. Dernier tour, on est bon. Une seconde 4. One more lap. Allez. Il faut tenir. Moins 0-1, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pousse, déploie, fais tout ce que tu veux. Ocon, il faut tout pousser, déploie tout. Oh là là, Ocon est bien là. 0-0, ça va aller, c'est bon, on est bien. Moins 0-4, on va rester en agressif sur les pneus. Allez. Oulala, Russell n'a été bloqué aussi, ça va. Avec Gasly, on est dans le dernier tour, on est bien. Une seconde 4 pour Gasly. Et c'est bon, on est passé bon dans l'essence. On veut pas que ça revienne derrière, on est bon. Allez, full, fonce vers la ligne d'arrivée. Une seconde 2, il est en train de revenir. Aïe. Moins 0-1, non, reviens en arrière. Économise. Oui, c'est bon, moins 0-0, c'est bon, tout va bien. Ouh, c'est chaud. Une seconde 3, attention parce que là on est sur la longue ligne droite. Attaque. Une seconde 3, non c'est bon. C'est tout bon. Non, moins 1, c'est pas bon. Économise. Elle est là la ligne d'arrivée. Elle est là. Oui, le victoire de Pierre Gasly qui tombe en panne juste après, mais c'est pas grave. Magnifique. Et Gasly premier. Oh, il a passé. Et remporte la victoire aujourd'hui. Il fallait pas le. Oh là là. Il fallait pas. Il ne fallait pas. Oh yo. We have checkered flag now. Alors, normalement, t'as pas le kilo réglementaire. C'est pas de points. Magnifique. Olé. Pierre Gasly nous aura fait voir les étoiles. Eh ouais, Pierre Gasly, OMG. Ouais, Pierre Gasly, 10e GP. Let's go. Jamais une écurie n'aura autant mérité un podium. Ah, c'est bien. Dommage pour Esteban Ocon. Dommage pour Esteban Ocon parce que sans la pénalité de 5 secondes, il se bat pour la victoire. Malheureusement, il y a eu cette petite erreur. Par contre, Pierre Gasly, c'était chaud. Alors moi, ce que je propose, vu qu'on en est là, c'est de ne plus améliorer la voiture. Du moins, la voiture de Pierre Gasly. Oh, j'ai oublié Théo pour cher. C'est de ne plus améliorer la voiture de Pierre Gasly. C'est-à-dire de ne plus lui mettre de bonnes pièces. Fabrication terminée de l'aileron. Je pense qu'on va faire ça. On va aller jusqu'à la... On verra la réglementation. Alors, on va la voir là. Alors, fabrication d'aileron arrière, modification de la réglementation. Limite de boîte de vitesse 5, limite de RS et limite de moteur. Ah bah ouais, je vote pour. Ah bah carrément. Comme ça, ça mettrait sur un pied d'égalité tout le monde. Suspension, on est bien. Parce que là, imaginons, là, je peux améliorer la voiture. Regardez, on peut, en termes d'aileron avant... Non, en termes d'aileron arrière, je crois qu'on a les ailerons arrière qui sont arrivés. Si là, je passe là, je passe premier. Bon, ce qu'on peut... Et pareil, je crois qu'on a les suspensions... des nouvelles suspensions, on pourrait être bien mieux. Déjà là, on est premier. Donc si c'est pour mettre ça et l'installer et être encore mieux, je pense qu'on va pas le faire. On va installer juste sur la voiture 2. C'est-à-dire qu'on va, on va installer sur la voiture 2, hop là, les meilleures pièces. Voilà, uniquement sur la voiture 2. Les suspensions aussi sur la voiture 2 pour donner du challenge.
tout simplement. Et j'ai envie de dire tirer la bourre avec Ocon déjà, et puis tirer la bourre avec les Red Bull pour donner un championnat du monde et une deuxième partie de saison complètement dingue, et voir peut-être la voiture de notre ami Pierre Gasly chuter au classement. Red Bull Ring, 80% de safety car. On en a eu une virtuelle safety car durant ce GP, hein, provoqué. Eh bien, provoqué. Non, on a eu une virtuelle safety car, hein, je crois. Hein, provoquée, bah, elle a été provoquée par. Je suis pas sûr qu'elle ait été provoquée par Esteban Ocon. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, on en a une. Est-ce que du côté de l'Australie, ce sera la même chose? Pas de pluie prévue, à part le samedi, mais le dimanche, ça a l'air d'aller. On se retrouve demain 11h pour la suite de l'aventure.